Les scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous les scorpions. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert pour booker une guidance privée avec moi. Les scorpions. Et voilà, donc ça c'est fait. Il y a une ou il y a, je sais pas, un mois et demi d'attente. Voilà, mais j'essaye de concentrer les rendez-vous. Donc ça fait que j'en fais beaucoup. Ok. Mais bookez votre reading maintenant. Ok. Pour ceux qui viennent du Costa Rica et du Japon et tout ça, si vous voulez des horaires en dehors des horaires proposés, contactez-moi directement sur Instagram 5StarTarot. Pour ceux qui veulent rentrer sur mon groupe Telegram pour bénéficier de mes analyses techniques et de mon accompagnement analytique, émotionnel et psychologique sur les marchés pour être aussi formé par moi. Et ben, c'est pareil, il faut booker une guidance privée avec moi, c'est une, pour mon groupe Telegram sur les marchés, c'est une intronisation 45 minutes, 1 heure, et ensuite vous entrez sur le groupe. Et il y a des hommes, des femmes, des ados, et voilà, et puis on devient tous millionnaires ensemble, c'est génial. Donc voilà, donc ça aussi c'est pareil pour le groupe Telegram, et... Sylvie Lassalle, 11-11. Merci Sylvie, merci pour ta donation, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Marc Garcia pour le 55-63, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Sylvie Lassalle pour le 5-55, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Marie-Emmanuel, merci pour le 3-3-3, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Emmanuel Revel pour le 20, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Émilie pour le 50. Ok, donc ça c'est fait, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Ça c'est vraiment, merci à vous. Fabstartarot.com, les créneaux disponibles en vert. Ok, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai tout dit. Cutting the deck for Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages pour tout mon collectif, de mettre mon ego de côté pour mes amis Scorpion. J'ai fait 5 readings privés aujourd'hui, je suis défoncé. Allez, mais c'était extraordinaire. J'ai commencé depuis ce matin. Et puis je suis passionné et puis j'adore ça, hein, vous le savez. Voilà. En plus sur les marchés, c'est tendu en ce moment. Il ne faut pas que je me foire, hein. Mais bon, on est vraiment un super groupe. Et ça, c'est cool. Il y a vraiment une somme de cerveau. Et c'est génial, c'est génial. Allez, cutting the deck once more for Scorpios. Allez, c'est parti mes amis Scorpions. Je le fais pas en direct, je suis désolé, je le fais pas en direct. Donc je sais, je répondrai pas à vos questions et tout ça, et vous êtes triste par rapport à ça, j'en suis vraiment désolé. Demain, je vais faire les Sagittaires en direct, ok? Demain, je vais faire les Sagittaires en direct. Demain, je vais faire les Sagittaires en direct. Et Jay, tu te répètes, mais je suis fatigué. Si t'es fatigué, va te coucher, certainement pas, sans avoir fait le reading Scorpion. Je vais passer néanmoins par la sagesse des 12 maisons pour vous transmettre les messages après. Ok. Et où est-ce que vous en êtes en attendant, mes amis Scorpions? Où est-ce que vous en êtes? L'énergie qui porte votre jeu, c'est le Ten of Swords in a Reverse. Ça vient me dire qu'il y a une décision, il y a une leçon qui n'a pas été apprise ici, mais c'est beaucoup plus que ça, les scorpions. On a le Ace of Pentacles in Reverse juste dessous. On a le 2 de bâton avec le Ten of Wands in a Reverse, le 10 de bâton à l'envers. Bien entendu, le Six of Pentacles upright avec le 6 de coupe à l'envers, le King of Pentacles in Reverse. Seven, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, c'est puissant, les scorpions, ok? Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que... Imaginez que... Vous êtes en train de faire des réalisations qui sont extrêmement profondes, qui vont vous mener à une libération, les scorpions. Vous savez, normalement, les parents, ils doivent pousser les enfants à...
C'est ce qu'on appelle l'éducation, en fait, à se réaliser ici. Ça doit être fait dans l'écoute, dans l'amour, dans l'humilité et dans toutes ces choses-là. Mais imaginez que, par exemple, vous soyez, j'essaie de trouver un exemple, okay, que vous soyez né, par exemple, avec un père ou une mère ou des parents qui, tout simplement, ne savaient pas comment faire pour éduquer leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que vous puissiez devenir plus grand qu'eux. Normalement, l'éducation fait qu'on veut toujours faire en sorte que. C'est-à-dire de donner de l'amour, ok? Mais des fois, c'est difficile, hein? C'est un peu comme par exemple, je sais pas, j'essaie de trouver des exemples. Imaginez que par exemple, vous faites du tarot et que pendant les dîners de famille, votre père ou votre mère, il est encore en train de vous demander, alors t'es toujours en train de faire ton truc avec les cartes, là, ton truc bizarre sur YouTube, là, ou ton truc spirituel, je sais pas trop quoi. C'est pas très encourageant, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, imaginez que par exemple il y ait de la jalousie ou il y ait c'est-à-dire un certain complexe. C'est-à-dire que par exemple que ce soit votre père ou votre mère qui ne veut pas que vous puissiez les supplanter ou devenir plus grand qu'eux. C'est-à-dire qu'il y a de la jalousie, il y a quelque chose, on n'est pas vraiment un adulte. Hein. Quand on n'est pas vraiment un adulte, c'est difficile d'éduquer un enfant. C'est-à-dire qu'on n'est pas émotionnellement et psychologiquement stable. C'est-à-dire que on est encore capricieux, ça vient dire qu'on a encore des problèmes psychologiques et émotionnels, des choses qu'on n'a pas réglées avec soi-même. Et des fois, on peut en vouloir à ses enfants. C'est-à-dire que, vous allez voir où je peux en venir, on n'est pas sûr. Suivez ce que je suis en train de vous dire, les scorpions. Et si vous voulez, on peut, par exemple, être jaloux de ses enfants ou ne pas avoir envie par exemple, qu'ils changent de statut social ou qu'ils deviennent quelque chose ou qu'ils fassent de grandes études ou qu'ils. Parce qu'on veut les maintenir. Et ça, forcément, c'est pas génial d'avoir des parents comme ça. Okay? Par exemple, si vous avez des parents qui ne vous comprennent pas et qui vous disent quoi, tu fais quoi? Tu tires encore les cartes là? C'est quoi ton truc que tu fais là? Je sais pas trop. Il fait quoi ton fils? Ça fait quoi ta fille? Bah, je sais pas, il tire les cartes, fait des trucs. J'en sais rien. Il travaille dans une. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Dans autre chose. Hein, il vend des machines. Parce que. C'est-à-dire que. Imaginez que vous soyez, par exemple, sous l'emprise de parents qui ont honte de vous. C'est quelque chose qui est lourd, d'accord? C'est quelque chose qui est lourd, ok? Et finalement, vous allez vivre toute une enfance avec ça, d'accord? C'est-à-dire que potentiellement aussi, vous allez être constamment sur la défensive, c'est-à-dire que vous allez vouloir, je veux dire, c'est une question de survie, vous allez peut-être vouloir analyser un peu les sentiments de toutes les personnes qui sont autour de vous et vraiment faire en sorte de satisfaire l'autre, d'être accepté par l'autre, ou de vraiment beaucoup donner tout simplement pour être accepté. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vouloir être toujours en vigilance, mais vous allez être en vigilance par rapport aux attentes, aux émotions des autres, mais pas avec les vôtres, en fait. Toujours sur la défensive, toujours à l'affût, toujours. Ok? Et quand on grandit, eh ben, on sait toujours pas, psychologiquement, émotionnellement, on n'est toujours pas à l'écoute de ses besoins. On est totalement besoin à l'écoute des autres, mais on n'est pas à l'écoute de ses besoins ici. Et il y a une deuxième couche par rapport à ça, c'est que si on grandit par rapport à ça, eh ben, ça peut créer un mal-être. C'est-à-dire qu'en grandissant, on peut en vouloir à ses parents, on peut en vouloir à sa culture, à sa nation, à son parti politique. Aux personnes qui n'ont pas réussi à nous comprendre, à nous faire avancer dans la vie, comme si en fait on n'était rien, qu'on était. Et ce que je voulais vous dire, les scorpions, c'est que au bout d'un moment, quand on se réveille de tout ça, c'est-à-dire que finalement, quand on a envie de se rebeller, quand on a envie de faire quelque chose pour soi-même, quand on est en train de trouver, j'allais dire, une certaine force, okay, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir se libérer, pour prendre sa revanche? Eh bien, tout simplement, on va faire quelque chose pour soi-même et en soi-même. Sans tenir compte de la vie des autres. C'est-à-dire que tout simplement, pour pouvoir retrouver, j'allais dire, notre force, pour pouvoir retrouver notre puissance, eh ben, on va tout simplement faire quelque chose qui est, j'allais dire, pour nous et uniquement pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en gros, c'est pas faire les choses égoïstement, mais c'est-à-dire tout simplement faire quelque chose que l'on a envie de faire. Et faire quelque chose que l'on a envie de faire, c'est montrer de la force, c'est montrer qu'on a retrouvé une certaine force et c'est montrer qu'on est capable de briser l'illusion. Par exemple, si jamais vous aviez des parents qui ne croyaient pas en vous, ça peut être aussi une éducation, culture, parti politique, statut social et tout ça, et ben finalement, je pense que vous n'allez plus faire des choses pour pouvoir rendre l'autre fier ou pour pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes capable pour la première fois de votre vie ici, c'est un moment très important. Où vous êtes capable d'introspecter vos émotions et vos intuitions et vous avez décidé de faire quelque chose pour vous-même. C'est une sorte de rébellion, mais c'est une façon pour vous de montrer que vous avez retrouvé votre force. C'est une façon pour vous de retrouver votre dignité. C'est une façon pour vous
de faire quelque chose que vous avez envie de faire envers et contre tout. Et quelque chose vient me dire ici que ça pourrait être aussi tout simplement dans la séduction de quelqu'un, ou vouloir assouvir un fantasme, ou vouloir tout simplement se diriger vers quelque chose que vous voulez faire en fait ici. C'est-à-dire vraiment quelque chose que vous voulez faire. D'accord? On a le 3 de coupe à l'envers qui va me dire que potentiellement rien ne pourrait vous retenir ici. C'est-à-dire que pour l'instant, vous savez que vous êtes malheureux, vous savez que vous êtes malheureux parce que vous vous retenez ici. Donc c'est-à-dire que vous avez l'intention de vous ouvrir, vous avez l'intention de partager, vous avez l'intention ici de ne plus vivre en sacrifice. C'est-à-dire que vous avez énormément de connaissances, vous avez énormément de sentiments, mais vous ne voulez plus vous imposer vivre en sacrifice. Vous avez envie de faire péter le toit du temps, vous avez envie de vivre en liberté ici. Conseil de l'univers ici, on a le diable in reverse. Ça veut me dire que vos peurs, vos conditionnements ne peuvent pas vous retenir ici. C'est-à-dire que tout simplement, les personnes qui n'ont pas cru en vous, ou les traumatismes d'enfance, c'est-à-dire le fait d'avoir été tout simplement aux aguets par rapport aux envies des autres, mais pas aux siennes, ou alors tout simplement si quelqu'un n'a pas cru en vous, que vous avez fait tout par obéissance et tout ça, que vous êtes en train de changer. Donc c'est une grande libération parce que vous allez sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. C'est un peu comme le fou qui va recommencer une nouvelle vie, qui va commencer une nouvelle aventure, qui veut vraiment en fait tout simplement vivre sa vie sans papa, maman, sans les préjugés, peu importe. C'est-à-dire se lever par exemple dans le dîner de fin d'année et dire écoutez, c'est quoi? Noël, ça me fait chier. Hein, Jésus, soi-disant, il est né, machin, il s'est fait en lot, elle s'est même pas fait engrosser, c'est même pas possible. Et vous me faites tout chier, et puis ouais, je suis celle qui tire les cartes sur YouTube et je vous emmerde. Et maintenant, je me barre. Et tout simplement, d'aller rejoindre peut-être un amour interdit ou quelque chose comme ça. Hein. Ça me fait penser un petit peu. Mais pour moi, il y a de la beauté derrière tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans le film Dirty Dancing, je sais pas pourquoi j'ai cette image, mais c'est peut-être quelque chose de pas bien qu'elle fait par rapport à son éducation d'aller voir Patrick Swayze et de danser cette danse qui paraît sale, qui paraît contre nature, qui paraît être la danse du diable et tout ça, d'être pervertie. Mais finalement, elle va trouver quelque chose de profond. Elle va vraiment découvrir l'amour et elle va changer le cœur d'un bad boy. Et finalement, ils vont se mettre ensemble et puis ils vont monter un spectacle et ils vont vraiment tomber amoureux. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une notion de quelque chose qui n'est pas correct pour la société, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est tabou, mais quelque chose de très sexuel et quelque chose que vous voulez faire ici, mes amis scorpions. Très bien. Me dire, Jay, tu vas très loin et très profond aujourd'hui, mais c'est normal, j'ai fait beaucoup de reading, donc là je suis à fond dans le game, donc là j'enchaîne, je veux dire, je réfléchis plus quoi. Où est-ce que, elle est où l'énergie qui est en face? On s'en fout, tu vois, balance-nous notre reading et va te coucher. C'est quoi l'énergie qui est en face? C'est quoi l'énergie qui est en face? C'est quoi l'énergie qui est en face? Où on se trouve l'énergie qui est en face, mes amis scorpions? L'énergie qui est en face, mes amis scorpions, j'ai l'impression que cette personne ne sait pas quoi faire, c'est-à-dire est complètement dans l'illusion ici, que cette personne veut communiquer avec vous, mais qu'elle ne sait pas comment faire. Cette personne voudrait vraiment sortir de l'illusion ici. Cette personne, elle a un choix à faire, un grand choix. Elle est peut-être déjà mariée, ou elle est peut-être déjà avec quelqu'un, ou elle a un grand choix à faire. Mais j'ai l'impression que potentiellement, cette personne n'aura plus peur. C'est comme Patrick Swayze qui avait peur de danser avec la petite, et au bout d'un moment, il dit qu'il n'y arrivera pas, et puis finalement, hein. On laisse pas bébé dans un coin, et puis au bout d'un moment, il change d'avis et tout ça, d'accord? Et il y a une passion ici qui ne peut être assouvie, il y a un regret, il y a quelque chose qui ne peut être fait parce qu'il y a une épée Damoclès et il y a la justice peut-être sur la tête de quelqu'un ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous, c'est-à-dire que secrètement, il y a vraiment, j'allais dire, une envie et un fantasme de vivre sa plus belle vie. C'est-à-dire que par exemple, si c'était avec quelqu'un qui a un travail, métro, boulot, dodo et tout ça, en fait, cette personne voudrait vous prendre par la main et aller vivre, par exemple, dans un village de hippie ou à Euroville ou quelque part comme ça, donner des cours de yoga, de la méditation, faire l'amour dans une tente, regarder les étoiles, élever des enfants et leur apprendre le chamanisme, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais cette personne ne peut pas, peut-être parce qu'elle est dans une vie de couple, plan-plan bien rangé et tout ça, mais ce qu'elle voudrait vraiment, son désir le plus profond, c'est de vivre une vie extrêmement sexuelle avec vous, passionnée et hors norme ici, d'accord? Et j'ai l'impression que vous désirez cette personne aussi. Et que inconsciemment vous êtes en train de manifester cette personne et que vous êtes en train de vous rapprocher de cette personne ici. Qu'est-ce que vous projetez envers cette personne, mes amis scorpions? Qu'est-ce que vous projetez envers cette personne, mes amis scorpions? Qu'est-ce que vous projetez envers cette personne? Vous pensez que, en fait, vous ne savez pas comment parler de quelque chose de concret ou de construire ou de bâtir avec cette personne. Mais néanmoins, vous l'aimez et vous voulez quelque chose d'équitable. C'est-à-dire que vous voulez une relation équilibrée. D'accord? Et vous n'arrivez pas à déposer votre fardeau, donc ça vous fait souffrir ici. Vous essayez de regarder ailleurs, de vous détourner, mais la passion, le cœur veut ce que le cœur veut, et vous n'arrivez pas à contenir cette passion que vous avez ici. D'accord?
Et on a le Page of Pentacles, c'est un petit peu comme deux scorpions par exemple qui sont dans une bouteille, ok? Ils vont s'affronter, mais il faut qu'ils fassent très attention à leur mouvement parce que si jamais il y en a un qui pique l'autre, il pourrait aussi se blesser et se tuer lui-même, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, le Page of Pentacles ici vient me dire que ce que vous voulez ici, c'est ne plus vous battre, c'est vivre votre meilleure vie, commencer quelque chose de nouveau, sortir quelque chose de terre et vraiment, j'allais dire, construire quelque chose, mais que ce soit passionné et tout simplement de faire quelque chose pour vous. C'est comme quelqu'un qui a décidé de rompre avec les traumas de l'enfance et tout d'un coup qui retrouve sa force. Et pour montrer que c'est le même message qui revient, que l'on retrouve sa force, alors on a décidé de faire quelque chose pour soi-même, en soi-même. Et ça, de faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Ok? Sans trop réfléchir aux conséquences ici, mais c'est un peu comme si le bouchon il est en train de péter en fait. Qu'est-ce que l'autre personne, elle projette envers vous? Donc ça vient me dire que c'est une relation miroir ici. C'est-à-dire que en gros, ce serait comme deux énergies qui ont envie de tout balader, de dire fuck the world, de se retrouver ensemble et de construire quelque chose d'ultra puissant. Il y a quelque chose de très sexuel, une détermination qui est hors norme, mais extrêmement tapie dans l'ombre, très profondément ici dans l'océan. Vous êtes aussi un signe d'eau, mais aussi un signe de feu. Ok? Donc, ce que ça veut me dire, et le feu, hein, la lave qui va dans l'eau, ça crée de la fumée, donc il y a un écran de fumée, il y a une illusion ici, mais vous allez dissiper l'illusion parce que vous allez en comprendre un peu plus après cet oracle, après ce reading, après ce transfert d'énergie qui est en train d'être fait vers vous. On a le Five of Swords Universe. Donc, en fait, ici, il y a une personne qui sait que vous êtes tourmenté ici et que vous voulez sortir de vos tourments et qui vous voit vous libérer aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui fantasme énormément sur vous aussi. Et c'est pas quelqu'un a pitié de vous, mais quelqu'un ici en a marre de vous voir souffrir ici. Quelqu'un a énormément d'amour pour vous ici. Quelqu'un voudrait se réconcilier avec vous et se sent attaché divinement avec vous ici. Et voudrait aussi créer quelque chose de très fort avec vous, hein. C'est comme si quelqu'un sait que vous avez. Donc c'est-à-dire que la personne en face est très au courant de vos intentions ici, ok? Et vous également, d'accord? Pour l'instant, il y a un processus qui est en train de se faire ici. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde, mes amis Scorpions? Ce que vous voulez, c'est ne plus être sur la défensive, trouver votre place, hein. C'est-à-dire faire quelque chose, encore une fois, hein, c'est l'intérieur, c'est important, hein, pour être des grands alchimistes, pour être des grands, comment dire, alchimistes, c'est as above, so below, as within, so without. C'est-à-dire que c'est la vibration, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur, on travaille sur son intérieur. Pour trouver la paix, on mange bien, on mange bio, on mange vert, on dort bien, et on médite. Ok, on fait du sport et tout ça. Quand on trouve un équilibre dans sa vie, ça permet en fait d'être bien à l'intérieur. Quand on est bien à l'intérieur, la manifestation extérieure se produit. Mais l'extérieur, c'est aussi important. Une plage, une belle maison, un endroit calme dans la nature, loin de la puanteur de la cigarette, des villes, des clodos. Mais de vivre, j'allais dire, quand je parle des clodos, vous m'avez compris, j'espère. Ok. Mais ce que je veux dire par là, c'est que loin de la crasse et tout ça, ce que vous voulez vivre, c'est dans la nature. Ok. C'est régénérer vos cellules et tout ça. Donc, par exemple, être dans un endroit de rêve, ça peut être dans un désert, ça peut être danser la nuit dans un désert sous une tente, ça peut être dans une forêt, ça peut être sur une plage, ça peut être en haut d'une montagne, mais dans un endroit qui est naturel ici et pas avec quelqu'un qui est dans métro, boulot, dodo, à la solde d'un patron. Ce que vous voulez, c'est avoir un potager, faire l'amour, étudier l'astrologie, donner des cours d'arts martiaux, faire du magnétisme, de la guérison, travailler avec des personnes, charpentier, tout ça. C'est-à-dire que vous voulez vraiment vivre une vie libre ici, vivre une vie libre aussi. Okay? Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas le luxe, que vous n'aimez pas tout ça, mais j'ai quand même l'impression que vous voulez vivre en fait une vie simple, mais une belle vie aussi, une belle vie, partager l'essentiel, des bonnes choses avec les bonnes personnes et tout ça. Mais vous voulez vraiment le faire avec les personnes que vous aimez, que vous désirez vraiment profondément à l'intérieur de vous-même. Okay? Donc, je pense que ce que vous voulez le plus au monde, c'est ne plus vous battre contre vous-même, c'est ne plus être seul, c'est pouvoir atteindre le soleil ici, d'accord? C'est vous libérer d'énormément de choses ici, d'accord? Et c'est de renouer avec votre enfant intérieur ici. C'est encore une fois, c'est en ce moment, vous ne savez pas prendre de décision et c'est pour ça que vous restez seul ici. Mais une fois que vous allez décider d'ouvrir vos sentiments et de vous ouvrir à l'amour ici, alors j'ai l'impression que potentiellement, dans la vulnérabilité, dans l'amour c'est la vulnérabilité ici. Alors vous pourrez créer de belles choses. Je vais vous dire les scorpions, l'humilité c'est très important. Sans la fierté, c'est la mère de toute la destruction. D'accord? Vous allez vous détruire. Par contre, l'humilité, c'est ce qui permet la relation, c'est ce qui permet l'écoute et c'est ce qui permet l'apprentissage. Sans humilité, il n'y a rien. D'accord? Donc l'humilité, c'est le plus important et tout n'est que relation dans la vie, surtout les relations amoureuses. Ok? Donc l'austérité, c'est bien, c'est voir le monde tel qu'il est, sans filtre. D'accord? Ça demande de l'expérience, ça demande de l'empirisme, ça demande de la sagesse. C'est ce qui amène à l'austérité. L'austérité avec la compassion, c'est vraiment le cœur. C'est l'austérité couplée avec l'humilité, c'est vraiment la recette de l'amour. C'est vraiment la recette de l'apprentissage, de l'accord parfait en fait. Quand il y a
De l'austérité sans humilité, malheureusement, c'est un poison amer, mes amis. Je vais aller regarder qu'est-ce que la personne de vos rêves, ou qu'est-ce que vous voulez faire ici, ou qu'est-ce que. Alors, on a le Full of Swords, hein, donc c'est une énergie qui est en épuration ici, qui voudrait changer les choses ici, et qui potentiellement veut vivre une histoire sexuelle, mais aussi, c'est-à-dire qu'il y a une énergie en face de vous qui veut vivre une histoire très sexuelle, à la limite très sexuelle. Hein, très chaud bouillant, pour pas dire pornographique, mais très sexuel, ok? Un peu à la, le titre de votre reading, ce sera Dirty Dancing, une danse de scorpion ici. Mais il y a de l'amour, il y a de l'amour, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du cul ici, ok? Il y a quelque chose de concret ici. Et cette personne, en fait, elle a très envie de vous parler, très envie d'échanger avec vous, très envie de lâcher prise, très envie de se libérer, très envie de vivre cette vie qui est hors norme, qui est passionnée, mais qui est aussi hors norme. Et ça demande une somme de talent, hein? Ça demande de parce que la richesse, hein, est. Encore une fois, c'est talentueux, c'est la richesse. Hein. Donc, c'est vraiment le talent. C'est le talent qui apporte la richesse. Hein. Ça, c'est très important de le comprendre. Et je pense que, en fait, ce que vous voulez, c'est que vous avez reconnu le talent de quelqu'un et que vous voulez croiser vos talents. Et une personne connaît vos talents, connaît votre personnalité et veut croiser aussi les talents avec vous, c'est-à-dire pour créer quelque chose de puissant. Hein. C'est comme la tête et les jambes, le cœur et les jambes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une complétude. C'est-à-dire que vous pourriez faire le Bonnie and Clyde, le duo parfait avec quelqu'un ici. Et vraiment, ça peut être par exemple pour l'éducation des enfants, ça peut être pour quelque chose de hors norme, ça peut être tout simplement pour. Et quelque chose me dit que en ce moment, vous êtes en train de vous former à ça, que vous êtes en train. Votre désir, c'est de vous libérer, c'est de j'allais dire aussi, de combler votre intelligence émotionnelle, de ne pas vous soudoyer, de faire ce que vous voulez faire ici, d'avancer vers la liberté. Hein, de ne pas chercher la liberté pour devenir esclave des désirs, mais de chercher un équilibre qui va vous conduire à la liberté, c'est-à-dire une discipline, c'est-à-dire. Une discipline au quotidien, ok. Je vais aller passer par la sagesse des 12 maisons ici et on va aller regarder qu'est-ce que les 12 maisons ont à nous dire, mes amis scorpions. Cutting the deck once more, et on va aller regarder ce que la sagesse des 12 maisons a à nous dire. Donc, je vais vous parler de vous et de votre autre ici, ok. Ça vient me dire, alors, il y a une histoire de décisionnel ici, hein. C'est-à-dire que peu importe si c'est ni l'un ni l'autre, vous savez, ça vient me dire ici que quand on n'arrive pas à se décider, ou quand, vous savez, quand des fois on se pose la question, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui, ça veut dire que c'est ni l'un ni l'autre, ok? Non, là on n'en est pas à ce stade. Vous savez où vous devez aller, ce que vous devez faire, c'est juste que pour l'instant vous refusez de prendre une décision, ok? Et c'est la décision qui va changer. Le désir restera toujours le désir. La chose qui peut changer le désir, c'est la décision. Alors, je vais aller regarder la sagesse dans la maison des béliers. 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 Nous avons là. Donc, c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire que vous êtes capable de réfléchir. Celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. On ne peut pas regarder les étoiles avec une pierre dans son soulier, tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes testé par la vie et que vous avez la maturité suffisante pour prendre une décision ici, pour quelque chose de concret. Vers un nouveau monde ici, les scorpions, ok? Et pour sortir justement d'une prise de tête. Et ça vient me dire aussi que pour sortir d'une prise de tête, il y a vraiment quelqu'un qui veut créer quelque chose avec vous. Fonder une famille, monter une entreprise, se réunir en famille. C'est-à-dire que. Il y a vraiment, c'est-à-dire que ça part de deux grandes énergies qui ont souffert, mais qui sont vers la libération ici. Ok, les scorpions? Donc, je trouve ça extraordinaire, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a la vérité, il y a quelqu'un qui veut prendre une décision par rapport à vous et qui n'arrive pas à prendre une décision. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, il y a un gros acte moqué entre deux personnes ici. Je vais aller regarder la maison des taureaux, je vais aller regarder la maison des taureaux. Mais il y a vraiment quelqu'un ici qui aussi vous attire, les scorpions. C'est-à-dire que vous voulez vraiment. J'allais dire tout simplement être authentique, être vulnérable et délivrer vos émotions. Et vous avez compris que c'est ça qui pourrait vous permettre de vivre votre meilleure vie. Le cœur veut ce que le cœur veut et vous n'avez pas l'intention de vous retenir. Ok? J'ai quand même l'impression que.
Ça devient trop compliqué là. Bon. À la limite, ce que c'est vraiment en train de me dire, c'est que si vous voulez avancer dans la vie sans regarder en arrière, on vous demande de suivre votre cœur, les scorpions. C'est-à-dire que vous êtes extrêmement... Si vous cherchez la merde, vous allez la trouver, les scorpions. Et je vous conseille d'aller la chercher. C'est-à-dire que, en gros, j'ai l'impression que vous voulez faire. En fait, ça me faisait penser à cette phrase du rappeur Booba là, qui disait j'ai souvent cherché la merde, je l'ai toujours trouvée. C'est ça que je voulais dire. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vais aller clarifier la maison des Gémeaux. Je vais aller clarifier la maison des Gémeaux. On a le pendu. Donc ça veut me dire que, encore une fois, c'est le même message. Vous avez vraiment l'intention de faire quelque chose pour vous sans réfléchir aux conséquences ici. Sans réfléchir aux conséquences. Mais quelque part, vous sentez que vous devez le faire ici. Peut-être que vous avez l'impression de détruire quelque chose, mais quand la tour elle est détruite, c'est toujours pour laisser rentrer le soleil, c'est toujours pour laisser rentrer la passion. Encore une fois, quand la fille qui donne un bébé, quand elle danse cette Patrick Swayze là, peut-être qu'elle se dit, mais peut-être qu'elle ne doit pas tomber amoureuse de lui. C'est pas bien de tomber amoureuse d'un bad boy, et bien pourtant elle va le faire. Et pourtant, des fois, vous savez, il y a des choses qui sont. La pensée vous dira qu'il ne faut pas. Mais le cœur veut ce que le cœur veut ici. C'est-à-dire que. J'ai l'impression que finalement, vous n'êtes pas insensible que ça. On dit souvent que les scorpions, ils sont prêts vraiment à tout pour pouvoir réaliser les. C'est un peu les dieux de la destruction, un peu comme dans. J'ai toujours dit que Beerus, il était scorpion dans Dragon Ball Z, mais. Ce que ça veut me dire ici, c'est que. Pour construire quelque chose ou reconstruire quelque chose, souvent il faut tout détruire ici. Ok? On a le Four of Wands dans la maison des cancers avec le. Donc, je vais vous dire, j'ai l'impression ici que il y a peut-être une énergie qui fait absolument. Voilà. Alors, ce que ça vient de me dire ici, c'est. En fait, c'est parce que j'arrive pas à croire les cartes qui sont là. J'ai l'impression que l'énergie qui est en face de vous ici, elle voudrait communiquer avec vous. Elle n'arrive pas à se détacher de vous. Elle est très attachée à vous ici. Et elle vous voit comme le bonheur absolu et le bonheur ultime ici. C'est incompréhensible. Je vais aller clarifier la maison des lions. Mais en même temps, cette personne, elle vous voit comme un danger. C'est comme un fantasme que. Elle ne peut assouvir, comme si ça allait briser toute sa vie ici, d'accord? Mais je pense que c'est faux, je pense que c'est faux. Dans la maison des lions, on a le Hiérophante ici, on a la Wheel of Fortune et on a le Full of Cups. Donc ce que ça vient de me dire ici, c'est que dans l'énergie, c'est-à-dire que face à une tempête de désirs incontrôlés et inassouvis, il y a une personne ici, peut-être que vous pensez que la personne qui est en face de vous, elle est dans un mariage en fait. Et que si jamais vous y allez, vous allez foutre la merde. Mais allez-y quand même. Allez briser sa famille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les scorpions? C'est ce qu'il y a dans mon reading. Je veux dire, allez dire, faites ce que vous avez à faire. Vous êtes les dieux et les déesses de la destruction. Détruisez. Okay? On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il y a une grande leçon derrière tout ça pour vous et une grande leçon derrière tout ça pour l'autre. Je vais aller clarifier la maison des vierges ici. Qu'est-ce que la maison des vierges, elle a nous apporté comme sagesse ici? Ça pourrait aussi donner une grande histoire d'amour. Ça pourrait. Donc, j'ai l'impression que. Vous voyez, c'est les lovers qui libèrent du diable ici. D'accord? Ça vient me dire que quoi qu'il arrive ici, j'ai quand même l'impression que dans votre cœur, vous avez quelqu'un. Et que quoi qu'il arrive, vous n'allez pas lâcher l'affaire ici. Et que vous êtes prêt à tout pour pouvoir obtenir. Mais sauf que vous doutez de vous parce que vous vous dites que c'est moralement pas bon. Et là, on vous dit, allez-y, allez-y, allez-y. Peut-être que vous allez vous prendre, j'allais dire. Un gros râteau et que ça va. Non, mais c'est pas ça, il y a vraiment. C'est plus profond que ça encore.
Je vais aller clarifier la maison des balances. La maison des balances, la justice divine, l'équilibre et tout ça, on a le soleil. Ça va peut-être apporter un équilibre. Il y a une victoire à tout prix, il y a une guerre ici, mais qui va pouvoir apporter. C'est-à-dire que, en fait, au milieu du champ de bataille, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est exactement là où fait là. Et ça vient me dire ici que. Dire, ça aussi, c'est de Booba. Non, ça, c'est pas de Booba, c'était bien avant, ok. Non, ce que ça vient me dire ici, c'est que. Ce que ça vient me dire ici, avec le soleil juste dessous, ce que ça vient me dire ici, mes amis, c'est que. C'est que des fois, il faut aller jusqu'au bout des choses pour vraiment comprendre la leçon. Je vais aller clarifier la maison des scorpions. Qu'est-ce que la maison des scorpions a comme nous apporter comme sagesse ici? Donc ça vient me dire que si vous voulez déclarer vos sentiments à quelqu'un. Je vais vous dire un truc, les scorpions. Écoutez-moi bien. Okay? Il y a une folie que vous vous apprêtez à faire là. Il y a une folie que vous vous apprêtez à faire et ça pourrait bien marcher. Ça pourrait bien marcher parce que j'ai l'impression qu'en face, il y a une personne qui n'attend que ça. Je vais aller clarifier les Sagittaires. Donc arrêtez de réfléchir, arrêtez de réfléchir. C'est-à-dire, moi aussi, des fois, j'ai des idées sexuelles un peu bizarres, un peu tordues, un peu. Hein? Je vais pas regarder les rubriques standards sur YouPorn, quoi. Et ce que je peux vous dire, c'est que si jamais. Parce que je me suis dit, mais pourquoi je suis aussi dézingué de la tête? Mais un jour, je me suis rendu compte que j'étais Lilith en scorpion et je me suis dit, ah ben c'est tout à fait normal en fait. Tout qui part en vrille. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, les scorpions? C'est parce que il faut toujours garder son jardin secret et que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Vous avez de la chance que je sois fatigué. Mais voyez, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez du venin qui coule dans vos veines, les scorpions. Et pour vous, c'est naturel, c'est votre sang. Hein. C'est quoi la maison des Sagittaires? La maison des Sagittaires, on a le cavalier de coupe, on a le Seven of Swords, et on a. Donc, ça vient me dire ici que vous êtes la relation de tous les dangers ici. Ça peut vouloir me dire que c'est quelque chose ou quelqu'un que vous voulez, ou c'est un amour impossible ou quelque chose comme ça, mais que quoi qu'il arrive, vous allez accomplir votre tâche. C'est-à-dire que vous allez danser cette danse, les scorpions. Je vais aller regarder la maison des Capricornes ici. De toute façon, vous le voulez alors. En tout cas, pour tous les cross-watchers qui n'êtes pas scorpion et qui regardaient ce reading et qui avaient des scorpions dans votre entourage avec ces énergies, vous avez tout à fait raison de flipper. Quoique, le scorpion aussi, il flippe de l'autre côté. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont tellement tabous, qui sont tellement cachées que finalement ça ne viendra jamais en lumière? Je ne sais pas, peut-être que c'est juste un apprentissage. Peut-être que quand la leçon sera digérée, tout le monde aura les idées plus claires et qu'on va trouver un équilibre et qu'on ne va pas faire n'importe quoi. En tout cas, dans la maison des Capricornes, on a le Judgment ici. Ok? On a une fou, j'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est-à-dire que, en gros, pour réaliser un fond, pour, je veux dire, le meilleur moyen de. De ne pas commettre une faute, c'est d'y succomber finalement. J'ai l'impression que vous êtes poussé à vivre un amour impossible ou à faire quelque chose ou à déclarer votre flamme ou à faire quelque chose d'inconsidéré. En fait, j'ai l'impression, je vous vois comme une bouteille de champagne qui va péter là.
Je vais aller clarifier la maison des Verseaux. Pour clarifier la maison des Verseaux, on a le Ten of Cups. On a le 3 de Pentacle et on a le Soleil ici. Donc j'ai vraiment l'impression que votre venue dans une relation ou dans quelque chose pourrait faire que l'autre personne quitte femme, enfant, nation et pour aller avec vous. Mais c'est parce que vous incarnez le soleil, vous incarnez en fait la passion, vous incarnez toutes ces choses-là. Il y a vraiment quelqu'un ici qui... Nietzsche disait que l'homme aime deux choses, le danger et le jeu. C'est pour ça qu'il aime la femme, parce que la femme est le jeu le plus dangereux. Et bien j'ai l'impression que pour cette personne, c'est un peu ce que vous êtes, ce que vous incarnez. Mais en même temps, peut-être aussi que... Mais j'ai l'impression que c'est plus que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc spirituel. C'est un truc qui est de longue date là. Ça vient me dire ici que... En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes la clé. Hein. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas se décider ici, vous êtes la clé ici. Vous êtes la clé. Vous êtes la clé, mes amis. Vous êtes la clé ici. C'est comme si quelqu'un venait de s'éveiller, venait de prendre conscience de beaucoup de choses et avait justement envie de tout simplement tout cramer, quoi. D'accord? J'ai l'impression de voir des flammes devant moi, de voir une danse de scorpions, c'est un truc de malade ce que j'ai devant moi là. On a le Nine of... Ouais. C'est-à-dire que vous avez assez souffert et que vous êtes encore debout les scorpions et que vous pensez que vous ne pouvez pas y aller parce que vous n'êtes pas classe, que vous êtes habillé un peu comme un chiffonnier, tout ça. Donc ça vient me dire que votre cœur en ce moment... Et on a... Donc ça vient me dire que dans le soul, c'est-à-dire que dans l'âme, vous êtes prêt. Okay? Vous, c'est la vision que vous avez de vous-même. C'est pour ça que vous n'y allez pas. Okay? En gros, le clochard, quoi, le clodo qui tient encore debout, qui a mal à la tête. Okay? Okay. Et en ce moment, ben, vous essayez de vous défendre un peu contre tout le monde, faire valoir, machin, ok, ceci, cela, quoi. Okay. Mais à l'intérieur, vous êtes prêt pour la communication, vous êtes extrêmement riche, vous êtes extrêmement talentueux et talentueuse. Et lui, enfin, elle, c'est la prime, c'est celle qui devient l'impératrice ici. Donc c'est celle qui devient mère, c'est celle qui devient la dirigeante d'entreprise, c'est celle, que vous soyez homme ou femme, je parle d'énergie ici, ok? C'est celle qui arrive à obtenir ce que vous voulez obtenir ici, les scorpions. Okay. Je vais vous donner un conseil de l'univers. On a le Two of Cups et on a l'Empereur, bien entendu, dans cette coupe. Les scorpions. Vous êtes le décisionnel de l'énergie masculine, bien entendu, dans ce cycle cosmique. Donc, en gros, ça veut dire un runner ou un divin masculin ici qui crève la dalle pour sa divine féminine ici. Mais ce que ça peut vouloir dire dans un sens plus profond, c'est surtout quelqu'un qui veut respecter son émotion, respecter son émotionnel ici. Parce que vous avez justement la vision sur les choses. Vous êtes capable de, encore une fois, de retrouver votre power. Et comment on retrouve sa force? C'est en faisant quelque chose que l'on veut faire pour soi-même sans donner de compte à rendre à personne ici. Vous êtes en train de retrouver une certaine force ici. Et peut-être même, vous allez voir que finalement, vous allez vous rendre compte que peut-être vous n'allez pas faire quelque chose. Et ne pas faire quelque chose, ou finalement renoncer, ou finalement trouver la paix, ou finalement être en solitude, en présence de soi-même ici, ça veut même dire que vous allez apprendre la leçon ultime, ce que pouvait représenter le jugement avant le monde, qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Parce que sachez que dans la vie, il n'y a absolument rien à faire. Il y a la différence entre le paraître et l'être, le faire. Quand on ne fait rien, on est. C'est exactement ça. Okay? Et vous êtes très puissant, vous n'avez pas besoin de faire. On a le Five of Cups in Reverse. Oubliez le passé. Okay? Extrêmement passionné pour quelqu'un ici. Et ce que vous voulez, c'est de la tendresse. Et vous êtes aspiré vers cette tendresse ici. Ne vous cachez pas de cette lumière. Vous êtes l'ermite, vous avez énormément de connaissances. Okay? Et ne vivez pas en sacrifice ici. Allez là où la passion vous mène ici. Même si, j'allais dire, peut-être que vous avez peur de vous piquer. Hein, de vous piquer, vous savez, c'est encore une histoire d'aiguille. Hein, vous vous piquez ici. Et après, finalement, le fait de faire ça, eh ben, quand vous vous piquez, vous vous endormez. Mais après, il y a le prince charmant qui vient. C'est-à-dire que peut-être que vous avez touché cette aiguille-là et que vous vous êtes endormi. Mais maintenant, vous vous êtes réveillé. Et vous savez exactement qui est votre prince charmant. Vous le savez très bien. Ou votre princesse charmante ici. Et peu importe ce que vous vous imaginez, ce que tolère la société, le machin, le ceci, le cela. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Allez-y, allez-y, d'accord? Et je ne parle pas histoire d'une histoire de. Je parle vraiment d'une histoire d'amour, d'une désir, d'une passion ici. Le problème est le suivant, ce qui est simple n'a pas de mérite, seul l'effort est récompensé.
Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. La gratitude permet de reconnaître tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Voilà les scorpions, je vous avoue que j'ai rien compris. Enfin bon, il y a des trucs en fait, vous allez me dire, en fait t'as compris mais t'as la flemme d'expliquer ou alors t'es... Non, je pense quand même avoir fait avoir retranscrit les énergies quand même. C'était pas facile et là j'ai vraiment besoin d'aller prendre un cacheton là parce que là, hein, vous m'avez explosé le crâne les scorpions. À bientôt les amis.